Salut à tous! Et ben on se retrouve une fois de plus sur D3, donc là pour la suite, nouveau let's play. Et puis on va voir en accompagnée de qui? Connor, je pense. On va démarrer. Ah, qu'est-ce que. Eh ben ce n'est pas Connor, c'est un androïde. Que je ne reconnais pas en tout cas. Tissé c'est aux jambes, ça c'est pas top. Oh, il a un gros trou là, non? Ah, ok, d'accord, autant pour moi. T'as, y a la console qui fume là, la pauvre. Désolé hein, pour le bruit, mais j'y peux rien. La console fume sévèrement. Alors, il est où ce quatrième indice? Bizarre ça. Ah bah attends, faut peut-être tourner la caméra, non? Non, je peux pas tourner la caméra. Évidemment. Alors là, je capte pas, attends. J'en ai un, deux. Il y a le troisième avec la jambe. Mais où est le quatrième? Alors, parce que le quatrième va pas venir. Alors là, j'avoue, il y a quand même un petit souci, non? Je vois pas de quatrième indice, il veut pas apparaître. Je vois pas où est-ce qu'il pourrait être, hein, si on le connaît. Obligé de fouiller à l'horizontale, j'hallucine quoi. J'ai bien fini par le trouver. Derrière c'est quoi? Peut-être ça? Non, c'est pas ça non plus. Pas changer d'angle de caméra, alors comment est-ce que je fais? C'est un peu con ça. Ok, et je peux pas ressortir tant que j'ai pas le quatrième. Ça c'est pas cool du tout. Tant que je suis obligé de le trouver. Là je capte pas. T'es où? Tu es passé partout?
Bah, je crois que la cave a souci parce que là je capte pas, je trouve pas de quatrième indice, je peux pas ressortir. Ah mais attends, il y en a deux ici. Ah putain, y a... Ah putain, vous êtes con. Il leur foutu les deux sur la tête, bande d'enfoirés. Ah, je pouvais toujours te chercher, enflure. Bah. Alors, vision défectueuse, pas mental endommagé. Cool. Là, j'ai cru que c'était buggé, sans déconner quoi. Mettre les deux sur la tête comme ça, bande de garces. Et remplacer les gens. Ah ah. Ah merde, il manque les deux jambes carrément. T'es encore en vie? Ah, il va lui piquer sa charme, mais elle était vivante, qu'est-ce qu'il fait? Ça se fait trop pas quoi. Bon bah je sais pas du tout où est-ce qu'on est, mais on dirait une décharge non légale, hein, pour Android. C'est pas très cool. S'enfuir de la décharge. D'ailleurs, je vais me faire attraper par l'autre à droite là, je me sens. Putain, le con, il a rien à foutre les jetons. Putain, t'es resté à me foutre l'histoire alors que je lui attendais en plus. Putain, couillon, bah. C'était tellement brusque. Ouais bah je suis pas le seul survivant ce que je vois. Trois unités optiques, ouais. On a quoi d'autre? Ça c'est pas cool. En état de marche, incompatible. Oh. Tu viens par là toi. C'est ça que t'es compatible toi. Là je peux pas te choper, t'as la chance. Là. Oh bah mince, j'ai glissé.
Ok, il y a une moitié de corps qui se trimballe. Cool. Compatible. Oh, elle est vivante. Merde. Et bah ben là, toi, t'as plus de tête, tu peux rien dire. Hop, tu pourras pas me convaincre. J'essaie, crôle-toi. Ah, je fais pas de fouiller, toi. Ah merde. Voilà, il y a ce qu'il faut. Un étanelage compatible, bah nickel. C'est-à-dire que j'aurais tué la pauvre demoiselle qui a encore envie pour rien, quoi. Bon, c'est vrai qu'elle est en sale état, qu'elle est un peu mal barrée, mais bon, moi j'aurais pas eu à la tuer, quoi. Ah, cool. Oh, le son est revenu, les gars, le son est revenu. J'avoue que pour le coup c'est assez étonnant parce que lui s'est retiré à son truc et il a pu se la remettre. Enfin la changer et lui genre il meurt juste après ce qu'on lui enlève quoi. C'est un peu bizarre, je sais pas. Je crois que c'est celle que j'ai laissée vivre. Eh ben, j'ai trouvé mes yeux. Oh putain.
Oh bah voilà qui est fait, j'allais te dire. Le truc c'est pourquoi est-ce qu'il largue toutes ces machines ici? Oups. C'est quand même pas le Marcus. On dirait, mais je suis pas sûr. C'est vrai qu'au niveau du t-shirt, on dirait. Alors. Ah, ça marche pas. Ah, ok, d'accord. C'était pas dans ce sens-là. Alors si c'est bien Marcus, je rappelle qu'il a été tué il y a quoi, un ou deux let's play, hein. Il y a deux let's play je crois. Après avoir défendu, enfin défendu donc l'artiste peintre, hein, j'ai envie de dire, qui était avec nous, qui s'occupait de lui et tout. Enfin bref. Il a été pris pour cible par les flics, sans aucune raison quoi. Bon, je suis pas rentré dans les détails pour ceux qui n'ont pas vu et ceux qui n'ont pas fait le jeu. C'est bien ça, c'est bien lui. C'est Marcus. Donc finalement, il est vivant. Surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, j'ai loupé deux trucs quand même. Mince. Ah bah oui, forcément, les choix que j'ai eu à faire à un moment donné. L'androïde veut mourir, donc je l'ai tué, j'aurais pu le laisser en vie. Et là, refuser de le tuer pour obtenir la pompe. Ok, j'aurais pu la tuer aussi. Ok, donc c'est deux choix logiques que je ne pouvais pas débloquer de toute façon, il faut la refaire au moins deux fois. Bon, séquence, j'allais dire assez courte, mais finalement, 20 minutes quand même. Bon, c'est vrai que j'ai perdu un petit peu de temps à analyser le personnage au début, sur donc ses problèmes défaillants et tout. Mais bon, ça pourrait être pire. En tout cas sympa, franchement j'avais peur qu'on revoie plus Marcus et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite, mais à mon avis, bah, il va y avoir vengeance quand même, hein. C'est pas un minimum quoi. Ça, je rappelle que pour ceux qui n'ont pas vu donc les let's play précédents, au moment où Marcus essaie de défendre donc la personne qui s'occupe de lui et tout, il y a son fils, donc qui a simplement dit aux flics bah, que c'était lui le méchant dans l'histoire, les flics n'ont pas cherché à comprendre, ils ont tiré une balle et au revoir Marcus. Pour faire simple, hein, dans les grandes lignes, sans trop spoiler. Enfin, sans trop spoiler, j'en ai déjà spoilé une bonne partie. Mais... Bref, bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Voilà, ciao!